Mais aujourd'hui, les gens se plaignent. Beaucoup de gens se plaignent que mais Arafat, c'est un sorcier. Que comment Arafat peut organiser un concert le même jour qu'un autre artiste coupé de calais organise un concert? Oh, c'est lui qui clame sur tous les toits qu'on doit, on doit être unis, on doit dire, mais c'est lui qui fait un concert le même jour que le concert de l'autre. Ne serait-ce pas, est-ce que Arafat a besoin de faire un concert là maintenant? Il peut attendre un peu. Fallait pour faire un concert ici, même jour que Molière, avec 8 mois, qui a balé? Molière, Zouglou, Fally Ipupa, Rumba, comment c'est, Rick Ross, Hip Hop, et puis États-Unis. Est-ce qu'ils sont même, ils sont pas? Pourquoi? Vous faites le même mouvement. Pourquoi? Vous faites le même mouvement. Pourquoi est-ce que ça s'est fait? Et puis, malgré tout ça, malgré que deux artistes étrangers soient dans le pays le même jour où notre star du Zouglou, qui est le grand frère Molière, que je respecte bien, à son concert. D'autres maisons, d'autres sociétés vont faire venir des artistes étrangers contre ce concert. C'est du business, champion. Tu entends? C'est du business. Et ce business-là, ce n'est pas toi qui as créé, ce n'est pas moi qui ai créé. Tu comprends? Mais malgré tout ça, là, Molière a rempli ou il n'a pas rempli? Il a rempli. Moi, je fais vidéo. Mais moi, personnellement, je démarre une tournée qui s'appelle la tournée du pouvoir. Et bizarrement, ma date est tombée à la même date que de Bordeaux. Donc, du coup. Donc, tu n'as pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès d'abord. Et en plus, on ne pouvait plus annuler parce que tout avait déjà été payé. C'est après, quand j'ai vu un poste de lui par rapport à une amie, que j'ai compris qu'il a un concert aussi le 31. C'est tout. Après, je ne peux pas annuler mon truc. Si j'annule les frais qui sont payés et tout, qui vient me rembourser? Et en plus encore, les fans même ont demandé leur concert. Nous, on n'annule pas notre concert. Nous, on va le faire le concert. Ça ne va pas empêcher que les fans de Bordeaux aillent voir de Bordeaux. Tu comprends? Moi, je n'ai jamais jeté mes prix. Tu ne vas jamais me voir jeter des prix. Les prix, c'est sacré, ça. La voiture de la Watch, je pouvais la vendre. Mais c'est la voiture des fans. J'ai promis des tours à mes fans. Tu as vu, j'ai passé la voiture à mes fans. Les prix que je gagne, je pouvais prendre ça et puis jeter aussi. Mais... moi-même, comment j'allais me sentir? Il faut respecter les fans parce que c'était Dieu, c'était premier Dieu. Ok? Pourtant, lui s'est moqué de moi. Bataclan poteau, Bataclan ceci, ils m'ont insulté, il a dansé même avec plein de gens qui se sont... Est-ce que c'est bien en tant que frère de danser, se moquer de ton ami? C'est bien ça? Non. Mais, donc mais pourquoi maintenant tout le monde est là? Toi, lui, bien fait ça non, aussi. Si c'est ton frère, au moins annule ton concert. Lui, c'est mon frère. Mais je ne peux pas annuler, il y a trop de frais qui sont déjà engagés. Et bizarrement, sans faire exprès, je vous dis, la date est tombée à sa date. C'est tout, sinon il n'y a pas de discours avec quelqu'un. Et le soutenir, c'est bien, tu l'as soutenu. Et puis en plus, toi et de Bordeaux, c'est pas aujourd'hui, hein, frère. Hein. Donc toi, tu es très mal placé même pour prendre l'exemple sur toi-même. Puisque c'est ton frère avant moi d'abord, parce que tu l'as connu avant moi. Toi où j'étais à Cocody, tu le connaissais déjà. Oui, c'est vrai. Voilà, donc je ne peux pas faire d'histoire avec toi, non? Pourquoi? C'est un artiste du coupé des cachets. Si je vais à son concert, si tu me vois dans la rue, tu vas me saluer. Je te promets. Parce que, hein, parce que plein de personnes se disent que ah, ça, il y aura l'embarras du choix. Une Claire Bailly, par exemple, là où elle est, là, peut-être qu'elle est un peu inquiète. Non, parce que c'est pas quel concert elle va choisir. Tous les artistes de Côte d'Ivoire qui peuvent aller le soutenir. Mais moi, c'est parce qu'il y a mon concert. Sinon, moi-même, il y en a aller le soutenir, je te jure. Je te promets, mais j'ai mon concert. Je ne peux pas me téléporter, chanter ici en métal et là-bas, tu vois. Voilà, c'est juste pour ça. Sinon, il ne faut pas qu'ils se mettent. Ouais, non, ça, c'est ma belle sœur. Non, non. Je ne suis pas comme ça, frère. Il n'y a pas de souci. En tout cas, aussi, merci pour ce que tu as fait pour ton petit magicien. Ah ouais, voilà. Et bon, tout tu ça. Vois, c'est un exemple. Oui, vois. Oui, merci malgré beaucoup. Malgré tout, oui. Mais pourquoi ne pas faire ça discrètement? Tu es allé avec les caméras chez le magicien. Je ne suis pas allé avec des caméras, je suis désolé. Mais on aura vu ça. Se servir des artistes ou des victimes pour avoir... Non, moi, je ne suis pas dedans. Moi, quand je me déplace avec mon équipe. Et c'est normal. Tout le monde sait ce qu'il y a eu entre moi et puis magicien. Tout le monde a vu comment il m'a dénigré mon image, des choses que je ne fais pas, qu'il a dit et tout. Malgré tout, je n'ai pas regardé ça. Il s'agissait de vie ou de mort. Fallait quand même que je montre aux fans qui disaient « Oh, il ne va pas aller, oh, il ne va pas aller, oh, magicien, il ne va pas. » Fallait montrer aux fans que
Arafat est parti voir le petit, malgré vous avez dit tout ce que vous avez dit, il est parti le voir. C'était dans cette gamme, c'est pourquoi tu as vu caméra là-bas. Et puis caméra dont tu parles, c'est quoi? C'était moi-même mon téléphone, un champion. C'est une vidéo que j'ai mise et les gens ont pris, maintenant ils ont reposté. Voilà. D'accord. Sinon, je pouvais faire un direct. Est-ce que tu m'as vu faire un direct? Non, non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. D'accord. D'accord, mais pourquoi est-ce que tu l'as encouragé à aller en boîte avec toi alors que tu sais bien que tu l'as aidé? Oui, mais. Je ne l'ai pas encouragé. Mais il te suit, moi, en boîte. Toi, il dit, mais toi, tu restes à la maison. Désolé. Tu as oublié d'accepter. On le voit. Nous, on s'en va quelque part. Il veut nous suivre. Je dis non. Partout, je partais, il veut me suivre. Tu veux que je fasse quoi? De le chasser? Oui, chasse le bouton. Je lui demande, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Mais arrête, je lui donnais des conseils, tu peux lui demander. Mais il me suit, tu veux que je fasse quoi? Il est avec papa Bonheur, c'est normal. Mais ça va pas te dire. Ok, bon, Didier Arafat, là, les questions sont presque finies. Dis-moi, c'est quoi ta plus grande... J'ai deux questions, une et son contraire. La première, c'est quoi ta plus grande fierté? Là où tu es assis, là devant moi, ta plus grande fierté en ce moment, c'est quoi? Je suis pas encore fier. J'ai pas encore. T'inquiète, tu n'as pas encore réussi à faire ce que tu veux. Je n'ai pas encore atteint mon objectif, donc je ne peux pas te dire, ouais. Voilà, je suis d'accord. Pour l'instant. Maintenant, c'est quoi ton plus grand regret? D'avoir permis à ce qu'il y ait un gros serpent rentre dans ma maison. C'est-à-dire, il pouvait me piquer et me tuer. Et je ne compte plus reprendre cette erreur-là. Là, tu parles d'arrêt chaîné, quoi. Ah, j'ai rien dit, hein. J'ai juste parlé d'un serpent. Donc, toi, tout, c'est résumé à lui. Laisse le petit faire sa carrière, je te dis. Mais moi, je vais lui poser les questions. Est-ce qu'il a répondu? D'accord, dit Arafat. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu es fini maintenant? Non, je ne suis pas fini, on est là, ça roule, hein. Ça roule, c'est parce que je sais que tu es quelqu'un de très occupé, que je ne veux pas te prendre tout ton temps, tu vois, c'est tout, sinon... Sinon, si on veut continuer là, ça... Je ne sais pas, peut-être ça après demain, vous allez quitter ici. Parce qu'il y a trop de choses sur toi. Oui, il y a trop de choses sur toi. Que certaines personnes sachent aussi un peu, c'est important. Oui, parce que là, ce que tu as expliqué tout à l'heure, les gens n'ont pas compris. Le fait que tu avais déjà organisé ton truc et tout ça. Ouais, ouais. Bah, les gens pensent que c'est ça le fa-fa. Il faut éclaircir les choses. Il faut éclaircir les choses. Voilà. Parce que tout le monde dit que comme tu es dans la destruction, tu veux détruire. Moi, je ne suis pas dans la destruction, moi. Non, tu pratiques la destruction. Voilà, tu pratiques la destruction. Donc tu as fait à moi été. Mais pourquoi la destruction? Pourquoi tu fais ma destruction? Ça sert à faire changer les gens, les sorciers. C'est des choses qui ont quelle loi là. Moi, c'est là il vient vers eux pour les détruire. Tu comprends? C'est-à-dire que tu vois le bonheur de quelqu'un, il est là. Toi, tu veux cette place là. Tu veux couler ce gars là pour prendre la place du gars. Je suis obligé d'emmener en crainte. Parce que c'est même pas Akane qui me rattrape là, il va prendre ma place. Akane c'est destruction, c'est un chinois. Ah, j'appelais pas. Akane. Tu comprends? Donc ma destruction là, si par exemple toi tu veux me faire du mal, que tu es motivé à le faire, faut que moi maintenant je réussisse à te déstabiliser. Ou bien, que tu te déstabilises maintenant comme ça là. Une fois que tu m'appelles, non, bravo, laissons ça, que tu sais. Voilà, j'enlève ça sur toi. Sinon, si tu fais bras de fer là. Mais Adi Arafat, tu n'es pas là. Bras de fer. À un moment là, tu vas être obligé de laisser parce que à quand il est trop, c'est tout. C'est trop. C'est bon. C'est nucléaire sûrement. Jusqu'à toi, bon, c'est bon. Et puis je laisse. Il y a bien à quand ici, des gens y arrivent, il y a des Akaniens. Tu as quoi? J'ai désactivé. Quand il y a actif, je peux désactiver. Mais DJ Arafat, j'ai comme l'impression que tu te vois comme un dieu, quoi. Ça dit que toi, c'est toi qui brise les carrières, c'est toi qui fais ça. Je comprends pas. C'est Dieu. Olo est Dieu. Même le caméraman est Dieu. Au fait, Dieu, il n'est pas tout. Donc, vous avez juste parlé un seul truc. Hein? Vous connaissez mieux la Bible. On dit Dieu nous a fait à son image, non? Hein? Donc ton image là, c'est Dieu. Maintenant, tu es en même temps Satan aussi. C'est pourquoi? Parce que pour devenir Satan, il faut être méchant. Il y a deux sortes de méchanceté. Il y a méchant, c'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un a bon truc que toi, que tu ne peux pas avoir là, tu es méchant, tu veux le tuer. Mais pourquoi tu veux le tuer? C'est Dieu qui lui a donné son moment. Toi, tu veux le tuer. Donc, il va te réaliser, tu vas le tuer. Toi, tu peux laisser quelqu'un, il va venir écouter, il va te tuer. Toi, tu as le réaliser. Tu ne peux pas, tu as tes téléphones. Maintenant, dans la défendaison, là, comme ça, là, dans la défendaison, elle, c'est comme ça.
on peut pas être deux d'un bateau. C'est dans cet ange, un type là que moi j'ai créé ma destruction. Là quand t'es à Caïn comme ça là, tu supportes plus, non? Tu te rallies et puis on enlève sur toi. Maintenant si tu veux qu'on t'aide, non, il revient, on fait un fit ça de la force là, et c'est toi. C'est tout. Sinon je ne me prends pas pour Dieu. Je ne peux jamais me prendre pour Dieu. Mais je me comporte comme quelqu'un qui n'aime pas les foutaises. Je suis dans mon coin, sans te manger. Viens pas mettre du sable dans mon tabali. C'est ça, on emmène à Caïn. C'est ça. Donc, il y a des gens qui veulent mettre du sable dans ton tabali. Mais il n'y a pas besoin de te dire ça. Toi, tu dis que personne ne porte le t-shirt Erfan d'Arafat. Parmi les artistes qui veulent décaler, c'est passé. Ils mettent sable dans mon achèque, sûrement, ma achèque là. Sable, les ont mis quand achèque là, poussé, mais d'autres mouvements, quand ils ont mis poisson, ton, tout, il y a tout, choukou, il y a tout. Ça me compte, sûrement. Tu vois, c'est ça. Ça va aller. Mais s'ils arrêtent de mettre du sable dans mon achèque, tu vas voir qu'il y aura beaucoup d'ouverture, on va faire plein de choses. Et en plus, il faut vraiment l'union dans ce coupé décalé. Bon, parce que avant quand on fait un concept, tu vois, que tout le monde suivait. Oui, bien sûr. Les Nigériens, quand ils ont voisin un tour, ils ont suivi. Aujourd'hui, ils ont leur style musical. Oui, mais même le coupé décalé, tout le monde a suivi. Chacun veut montrer qu'il est créateur, que lui aussi peut créer, que lui aussi peut faire tant. L'autre a sorti danse du tapioca, moi aussi, même sorti la tapitine. L'autre aussi, ça a créé la danse de Neptune. C'est-à-dire que les fans sont perdus, on ne sait plus. Attends, si un inspiré qui l'envoie un concept, qui a pris, par exemple, quand il a d'entrée, tu as là, non? Beaucoup d'artistes coupés décalés, ils peuvent rentrer au studio et vont faire quand il a là aussi. Ça n'est pas dit qu'Arafat va venir dire aujourd'hui que ah, tu as volé mon truc. Non, au départ, ils avaient vraiment volé. On a montré qu'on était fâchés. Peut-être c'est ça qui a fait que maintenant ils ont peur et puis chacun veut créer. Mais quand un est fort, qui crée plus. Mais c'est pas inspiré. Peut-être Beno peut être inspiré sur un mouvement, il fait une danse. Et puis on le suit. Si tout le monde suit, ça fait 10-15. Encore une fois, une danse avant que tout le monde danse à 5. Et puis ça fait voler le mouvement. Pourquoi? Pas d'où ça allait venir de la jet set. Couper, dégaler, couper. Quand tout le monde chantait ça là, ça n'a pas tué pendant combien de temps? Ça a tué. Mais c'est ça. Mais pourquoi toi tu veux forcément que ce soit toi qu'on suive? Tu peux aussi suivre les autres. Mais c'est ce qui était dit. Quelqu'un peut sortir un concept. Quelqu'un peut sortir un concept. Si je ne suis pas inspiré, que peut-être Benoît ou même Bébé Philippe, mais quelqu'un inspiré qui envoie un concept dans ça, nous tous on peut suivre. Mais dans nous tous, on peut suivre là. Et toi, mets ton propre concept. Si Yoro fait ça, peut te destiner. C'est ça. Mais le talent là, on ne peut pas aider quelqu'un dans ça. Ça, vraiment. Chacun voilà. Pour lui. Ouais, les gars, c'est ça, non? Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Donc, c'est ce qui fait que, Didier Arafat ne veut pas suivre les autres. Parce que tu ne veux pas déstabiliser les autres. Moi, je crée des concepts qui sont très dansables. Bon, ça paraît comme ça, là. C'est un petit que j'aime bien. Il a sorti son manger chier. Mais si d'autres le suivent dans ça, je crois que ça va booster encore les choses. Et moi-même, même si je vois l'ampleur, parce qu'il faut que ça ait un niveau. Quand ça atteint un niveau maintenant, moi-même, je peux aller faire ma version trappe décalée en manger chier, il m'en fout. Mais tellement pour moi, on va trop d'abala. Demain, c'est lui-même, peut-être après, il va venir dire que moi, il voulait son truc. C'est ça le problème. Chacun veut créer, chacun veut prouver qu'il est fort. On va tenter d'expliquer le vrai problème. C'est ça le vrai problème du coupé décalé en ce moment. C'est pas les clashs. C'est pas ça. Si il y a un style musical, on est dedans. Si Arafat n'est pas inspiré là, que le nous fait tant, il faut ça. Mais le truc de sorcier là, c'est ça. Il faut déposer les armes. Il faut d'abord faire une vraie paix, pas d'hypocrisie. Il faut qu'on s'appelle. Ouais, bras, tu es où? On tourne un peu, on nous voit ensemble. Ou qu'on fait des featuring, des clips, on se donne des franchement, idées. Franchement. Moi, je veux ça. Franchement. Mais eux, ils veulent. Ça va donner, ça va booster la coupée décalée. Quoi ça? C'est chaud pour attraper ça. J'ai chanté 100 ans longtemps. C'est longtemps de travail, ça. Ah, bandit. Alors, Didier Arafat, merci de nous avoir reçus chez toi à la maison. Merci, frère. Voilà, voici la caméra. Et dis ton mot de fin. Les fans, je vous adore. Allez leur dire aux autres artistes du coupé décalé, allez leur donner des conseils. Pour qu'on soit unis. Hein? Sinon, moi, j'ai commencé mes mouvements de trappe décalée. Hein? Moi, Pangol, moi, je rappe maintenant, les gars. Mais ça va rapper, bah, ils font tout. Ils vont apprendre à rapper parce que tu es un bon rappeur aussi, tu vois. Voilà, donc je veux vraiment la paix dans le coupé décalé et puis soyez unis. Voilà, écoutez pas les gens. Ouais, il refait ci, il fait ça, il est sorcier. Hein? Sorcier ne va pas à l'église, ça n'existe pas. Je suis un enfant de Dieu, je respecte tout le monde. Mais je veux l'union dans le coupé décalé. Du moment où on ne cherche pas à prendre ma place. Voilà, tu cherches à prendre ma place, nous union. Ciao.
Mesdames et messieurs, nous étions avec DJ Arafat. 3500 votes, 5500 votes, 8500 votes, 1 million de votes. De te jouer la chanson, tu as dit 1 million de votes là. De te jouer ça. Tu sais que j'ai toutes tes chansons. J'ai déjà toutes tes chansons. Avant que tu ne dises la CIE m'a appelé, c'était 1 million de votes. Mais tu as les sons beaucoup. Ah, tiens bien. Alors nous étions avec DJ Arafat. Merci de nous suivre. C'est Fafa. Rendez-vous la semaine prochaine, même vers même antenne. Sur ce, au revoir. C'est le dernier. On est ensemble.